La brosse à chiottes. Ah, j'ai pas le choix. Écoute, ce sera là. De toute façon, c'est pour nettoyer la merde. Hein. Mais des fois, tu verses un peu le. Oui, le jus qui est à l'intérieur. Dans la baignoire. Tu la mets dans la baignoire. Non, pas la baignoire, par contre, c'est dégueulasse. Et enfin, une ventouse. Ouais, ça, c'est pour les gros gourmands qu'on vient manger. C'est pour les gros dégueulasses, hein, ça. Ça, faut la le cacher ventouse, dans la pièce. Hein. C'est vraiment dégueulasse. Là, hein. C'est... Voilà. Oui, c'est au cas où. La ventouse, elle sera bien ici. Attendre l'avis du client. Alors mm-hmm. C'est vraiment ce qui a attiré sur de bonne qualité. Oh, j'adore. J'adore. Oh, la ventouse à merde cachée derrière la baignoire. Excellent. Pour ma merde. Bien joué. Le mec, il regarde tous les trucs les plus futiles, en fait. Ah, j'ai adoré la ventouse. Et... Christina, regardez ce que j'ai pour vous aujourd'hui, un magnifique grille-pain à gagner. Quel magnifique article, Pierre. Regardez ces belles tranches personnalisées, Wonky, il n'y a pas mieux pour votre petit déjeuner. Quelle belle tranche de pain grillé à souhait. Ce fantastique grille-pain a été réalisé en collaboration avec Summoner's War qui sponsorise cette vidéo. Dites-moi plus, Pierre. Avec plus de 100 millions de téléchargements, Summoner's War est un jeu mobile de stratégie au tour par tour qui regorge de contenu. Du PVP en arène, du PVE dans les donjons, des événements... Et des batailles de guildes tard à l'époque de nos grands frères. Exactement, Christina. Et en ce moment, c'est idéal de commencer ou de revenir sur le jeu car c'est son 7e anniversaire du 6 juin au 11 juillet. Tu peux gagner des points en jouant au jeu et obtenir plein de récompenses. Des vélins d'invocation légendaire ? Oui, Christina, des vélins légendaires. Mais alors, à propos de ce superbe grille-pain ? Eh bien, il y en a 40 à gagner et pour en remporter un, il suffit de commenter la vidéo pour être tiré au sort. Comment cette idée saugrenue de grille-pain a-t-elle vu le jour ? Lors d'un premier stream sur Summoner's War, nous avons demandé à la communauté Wankill quel produit personnalisé on pourrait créer. Et on a eu toutes sortes de propositions et de concepts. Le saucisson olin, le saucisson Terracide. Oh, disons, comme ça donne envie. Eh, du PQ, c'est pas une mauvaise idée non plus. Oh. La montre. Elle est magnifique avec la banane qui montre le mécanisme. Eh, c'est beau ça, hein. Terra Punching et Link Punching. C'est les fameux punching balls, putain, franchement. Ils sont drôles, en vrai. Et finalement, on a eu un coup de cœur pour cet incroyable grille-pain qui existe réellement aujourd'hui. Clique sur le lien dans la description pour jouer gratuitement à Summoner's War sur iOS ou Android et peut-être gagner un grille-pain Wankill. Merci, Pierre. Pourquoi tu veux un truc 4G ? Parce que chez mes parents, si tu veux télécharger un film, tu vois, tu l'as en 45 minutes. Ça va, 45 minutes. Ça va pas du tout, mais vous vivez dans quoi ? À quelle époque ? Oh, vous vivez vraiment au fin fond de la Creuse. Ouais, si je prends un film en plus de 2 minutes, je trouve que c'est scandaleux. Ouais, il faut prévoir, quoi. C'est genre, oh là là, ce soir je regarde un film, vite, 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 faut que je télécharge le film. Il y en a à Verrettes. Tu peux taper sur Google ou c'est Google, tu verras le nombre d'habitants. Bah, ça on parle d'un truc qui doit être peut-être équivalent à Saint-Georges-en-Brie, là, Tournant-en-Brie. Bâtard. Et bah ils ont des rues fibrées, le foutage de gueule. 4551. C'est bien plus nul que Tournant, hein. Ah ouais ? Il y a combien de Tournants ? Bon, ça dépend du dernier recensement, mais il est sûrement pas à jour. Eh, 8613 en 2018. Oh, et comme c'est putain, vraiment en pleine expansion, bah... Oui, ils doivent être rendus à 10 000 maintenant, je pense, en 2021. Ouais. C'est vrai qu'on parle entre bourgeois, tu sais. Oui, alors c'est des gangshots 45 minutes le film, mais c'est rapide. C'est pas mal. Mais quand on faisait YouTube et qu'on commençait déjà un peu à être connu, genre je me souviens que quand j'uploadais une vidéo YouTube, c'était basique de me dire, bon, bah là j'en ai pour 6 heures. Chez mes parents, je lance un stream, je dois le baisser, je suis en mode, mais on est où ? Je dois le regarder en 720. 720, quelle chance de pouvoir faire ça. Oh, c'est terrible. Vous vivez dans des conditions précaires. Mais vous mangez plus d'un repas par jour, mais quelle chance. Bon, vous jouez ? Non, on joue pas, qu'est-ce que tu veux ? Non, on discute. Tu vois pas qu'on merde. Discute ? Bon, on va jouer, ok. Tous les commentaires de la VOD, ce sera pas sur le jeu, ce sera sur ça. Ce sera, bah moi je télécharge en 30 j'ai minutes, ça. Et moi je télécharge en 1 minute, et moi en 2 secondes. C'est que ça. Bienvenue à Wondersville, nous souffrons actuellement d'une petite crise émigratoire, mais dans l'ensemble, c'est une ville formidable. Ouais, bah ça a l'air formidable, ah si bah, tout le monde se casse. Que les gens se barrent, putain. Prêt à te jeter à l'eau, clique sur le quartier pauvre. Le quartier pauvre. Ah ouais, je dis pas. Et rejoins-moi là-bas. Alors là, tous ces gens sont des pauvres, du coup. Ça, et voilà, c'est des clochards. Ah, c'est vrai qu'ils sont... Ah, ils sont pas propres sur eux, ils sont sales. Ah, ça se sent, hein. Ce vieux camping-car de merde, commencez le nettoyage. Ah, on peut vendre les objets ? Bah, franchement. Non, attends. je sais pas, il va rien dire, non ? Ça va faire une surprise, le mec, quand il va revenir. Ah, mais c'est bien, il pourra mettre des nouveaux meubles, etc. Des nouveaux électroménagers. Oh, puis j'ai vu l'état du frigo, il devait pas s'en servir. Non. Voilà. Allez, hop. Un petit bénéfice en plus. Il est où, d'ailleurs ? Oh putain, oh ouais, non mais là ouais, c'est... Ouais, ouais. Le cadre de vie n'est pas idéal là. Bienvenue dans le mode rénovation. Je suis pas sûr que légalement il ait le droit de s'installer ici avec sa caravane. Hein. Oui, oui, il s'est mis là, espérant que personne le voit. Mais c'est dégueu la moquette. Moquette, on va lui mettre la plus moche. Oh la vache.
Les années 70 sont appelées, elles aimeraient bien récupérer leur moquette. Hop là, la super salle de bain en moquette. T'es bien en plus, c'est ça sent pas l'eau. Alors, télé. Bon, bah, c'est la 199, ça sera très bien. On va pas quand même la mettre sur la moquette. Toilette. Ah, y'a de la place. Tiens, là. Tu peux y mettre dans le coin là. Attends, ouais, mais tourne là dans 90 Attends, degrés. J'essaye. C'est parfait là. Parfait. T'es trop. C'est vraiment. Oppressé quand tu vas faire caca. C'est horrible. Faut vraiment mettre la main vers. Ouais, tiens, voilà. Attends-le. La vie est un défi. Il faut se lever sur les chiottes pour s'essuyer le cul. Bah, ceux qui disaient qu'ils étaient chargés leur film en 45 minutes et qu'ils étaient contents, je pense qu'ils habitent dans ce genre d'endroit là. Oh, respect. Un réfrigérateur de merde, on a jamais vu un truc pareil, je sais même pas ce que c'est cette merde. C'est... Et enfin, il va être collé, il va être collé large, à la gazinière pour que tout fonde dedans. C'est bien pensé, hein. Oh le gourmand, ils vont voir la nourriture très près. Le client notera ta décoration en fonction de l'argent dépensé en objet de décoration. On a 4 500 $ de budget. On peut faire une rénovation pour 1 000 $ et on se garde les 3 500 restants. Je pense que le client va être d'accord. Alors, oh là là, il y a du taf, hein. Viens, on fait vraiment, vraiment une cuisine giga moche. Carrelage au sol avec évidemment des motifs de merde. Oh, c'est pas mal ça. Fais-moi un mix avec du rose là. Voilà. Hop là. C'est conceptuel. Oh, tu fais un damier, deux damiers. C'est magnifique. Alors, mur peint. Oh. Bleu ou vert? Bah, alors, il aura les deux. On fait les choses bien, moche et bien. Fais un truc vraiment pas optimisé. Bah, si tu veux, tu vois, par exemple, je peux mettre une hotte au-dessus de rien. Voilà. Par exemple, la hotte au-dessus du grille-pain. Chaud. Voilà, quand ça fera de la fumée de grille-pain. Voilà. Oui, ça, c'est important, hein. Vous voulez du café? Eh bien, faudra le mériter. Voilà. Faut le mériter. Ensuite, il y aura de la cuisinière. Près de l'entrée. Moi, je dirais même collé à l'entrée. Quand tu rentres et que t'as très faim. Bienvenue. Voilà, très bon. Faites-vous à manger. Réfrigérateur. Voilà. C'est très chiant. C'est très très chiant. Lampe murale. Le spot voilà qui éclaire, mais bien les pieds, quoi. Le mec a des nouvelles baskets. C'est ridicule. Une bonne télévision. Attends, oh, mets-le dans le couloir à gauche, genre t'es puni. Chaise. Par contre, oui, mais tu la mets à l'autre bout du couloir. Pour pas qu'il s'abîme les yeux. Voilà. Tu dois regarder un peu au-dessus de la gazinière. Ouais, la gazinière, elle est dans le champ de vision. Oh, fais chier. Pas mal cette idée de lavabo au milieu de la pièce. C'est bien vu, ça, c'est bien accessible. Ah, moi qui adore faire griller mon pain et que ça fait tout le temps de la fumée. Une autre pour le grille-pain, c'est bizarre. Mais quand même. Oh, j'adore le comptoir. C'est vraiment génial. Le frigidaire. Ah bah c'est malin de l'avoir mis là. J'aime bien super. Le coin de la pièce. Pas d'inconvénient majeur, une rénovation aussi magistrale, putain, ça en vaut 5. La peine. C'est tristounet. C'est triste. Va falloir dormir. Va falloir se donner sur. Pour que ce soit plus joyeux. En contrasté avec la déco. Hein. Matériel d'entraînement. Ouais, bon, les mecs ont une salle de muscu dans leur chambre, là, avec les grosses. Oui, beauf, regarde, moi, je soulève ça, moi. Ouais, quand j'arrête des gonzées, je veux qu'elles soient impressionnées, qu'elles disent, oh putain, le mal. Ah. Ouais, bon, bah, on a compris. Poster de motivation. Oh, le connard. Oh non, il est étudiant en commerce. Work devant la muscu. Work hard, ouais, play hard. Ah, trop bien. Tu lui mets un petit bouquin, l'art de la guerre au pied du lit. Miroir. Ah oui, pour se regarder après l'effort. Ah bah oui, c'est sûr. Ah oh, putain, mais qu'est-ce que c'est que cette chambre? Bien en long là, pour bien se regarder là. Oui, le corps entier là. Ah, la je suis tête, une ça bête. Suffit pas. Je suis une bête, putain. Faudrait quoi pour un kekos comme ça là? Bah, on peut rajouter un peu de muscu encore, hein. Putain. Ah oui, oui, oui. Oh putain. Ouais, il se regardera faire des développés couchés là. Ouais. Boucher. Tiré de rouge de Playboy là. Pour inviter mesdames. Oh le rideau de gros baiser là. Ouais. Hop pour lire. Voilà. Tes livres de merde. Bon, on va le laisser hein, je crois que. Oh. Quoi? Oh putain. Oh, oh le coup de celui-là génie. Il m'a tapé dans l'œil putain. Oh il a l'air jeune. Ah, mais c'est work hard, play hard, qu'est-ce que ça veut dire? Je traduis. Oh j'aime pas. Non putain, on a fait une chambre d'ado et il est vieux. Il est mignon au global. Il y a une pute qui est passée, hein. Je dis ça, je dis rien. Je l'ai vu passer. Je peux pas aller plus loin. Où ça?
Oh, le quartier de merde. Ça tapine ? Bah ouais, ça tapine devant chez nous. Bon, habillez-vous. On a l'air faim maintenant. Habillez-vous. Oh, on va louer. Okay. On est proprio, on retape, on le loue. C'est une prison. C'est un petit côté prison. Oh putain, c'est le sol. Je vais changer le sol parce que c'est catastrophique. Toilette. Enfin, des toilettes de la honte. Non, c'est pas possible. Oh, non, allez, on peut pas, les toilettes on peut de pas. La honte. Mais comment tu fais? Oh, mais c'est horrible. On est obligé. Oh, le fameux PQ en hauteur. Je vais pas le faire chez nous. Si, vas-y. Mais ça peut être marrant, tu sais, parce que tu fais pendre le rouleau très bas. Genre, ça tape le front. Putain, le locataire, quand il va voir les chiottes. Comment il fait pour y accéder? Il va les chercher pendant une semaine et à la fin il va comprendre où c'est. Il va finir par chier dans la douche. Hein. L'appartement est prêt à être loué. Sélectionne la visite libre dans la liste des actions disponibles. Ah, elle a un style de merde. Ah bah, pas comme notre appart qui est de toute beauté. Hein. Alors là on rentre dans le dur. Mais comment on détermine? On n'a pas le prix de l'immobilier dans cette ville. Ah mais regarde sa gueule, tu crois vraiment qu'elle va payer plus que le prix minimum? Vas-y, si on lui dit 2000 tourons, 1736, allez. 1990, tout rond, et on arrête là. Cindy Fraisier. Cindy Fraisier. Croyez-moi ou non, j'ai trouvé tout un tas de cafards dans l'appartement. Trop bizarre, non? Je vais vous envoyer mon oncle, mais je ne comprends pas, vraiment. Il l'a pourtant très bien nettoyé. On dirait moi avec mes anciens proprios quand ils ont caché la moisissure avec de la peinture fraîche. Non, oh, bah, je on ne comprend pas, vraiment. Ah! Oh, mais non, mais elle a laissé traîner de la bouffe quelque part. Hein. Ah, ils sont énormes! Merci de m'avoir aidé à résoudre ce problème. Oh, j'aimerais tellement lui envoyer des messages custom là. De rien, grognasse. Essaie de plus me déranger. Ah, comment tu vas aux chiottes là? Elle est en train de fumer une clope aux chiottes. Non mais c'est quoi ça? Hey, c'est pas un cendrier, hein, c'est des chiottes. Elle va jaunir les murs. Eh, hey, casse-toi. Oh putain, on avait dit pas de fumée dans l'appart. Elle est en train de tout niquer là. Alors, comment c'est la rénovation? Oh, les bouteilles. Les bouteilles du capitaine. On va avoir des bonnes cuvées. Le baril. Oh putain, il est gros. Ça va lui faire plaisir, je pense, mais. mais c'est quand même un peu. C'est gigantesque là. Oh, l'alcoolique capitaine. Eh bien, capitaine, vous ne faites pas les choses à moitié. Regarde. Ah, pour le reluquer, voilà. La capitraine. Ah, pour pas que ça jure. Oh, le fusil d'assaut du capitaine. Le sniper du capitaine. Ça jure, selon vous? Je trouve pas. Hein. Non, ça va avec. Non, franchement. On vit avec son temps. Hein. Voilà, décoration murale, c'est bon. Écoute. Et, ah oui, et une gonzesse. Oui, oui, c'est bien ça. C'est sa gonzesse. Puis quand il vogue longtemps sur l'océan, voilà. Il la regarde. Cette pièce, elle est incroyable. Oui, comme ça, je vois les nénettes du port. Voilà. Et oh, le tonneau. Oh, ça, alors là, je suis conquis. Pour mettre tout mon vin, j'adore. Et là, le sniper du capitaine. Le sniper, monsieur, non? Oh, le sniper, il s'en fiche. Bon, je pense qu'on a 5 étoiles. Ah, franchement, il adore, là. Il a les deux cœurs dans les yeux. C'est parfait. C'est comme si quelqu'un avait remplacé la porte d'entrée par un portail magique vers un autre monde. Thomas et Damien font des merveilles. Mieux que je n'aurais pu l'imaginer. Voilà un pourboire pour votre... Oh là là, bonus 1760. Ah, le bonus, ça c'est pas un bonus. Il est énorme ce bonus. Hein. Va dans l'onglet finance. Oh non, pas l'onglet finance. Ouais, Cindy, attention. Dette. Oh là, dette. Oh non, ça commence. Dette. Gérer. Oh non, ça commence. Rappelez poliment. Cindy, j'ai remarqué que vous n'aviez pas payé votre loyer cette semaine. Les cafards ne sont pas une monnaie d'échange, Cindy. Hein, pas la peine de m'en ramener. Je suis vraiment désolé, je viens juste de vous l'envoyer. Oui, okay, bah tu mets, je sais pas, tu mets un virement automatique tous les X du mois. Voilà, comme tout le monde. Qu'on n'ait pas besoin de te le rappeler. Cindy, c'est ingérable. Mais bon, pour l'instant, on va passer outre. Si la Cindy, elle a pas de quoi payer, bah, elle fait comme les filles qui sont à 5 mètres devant la porte. On va lui ça par message. Bonheur neutre. Oui, parce qu'elle angoisse à l'idée de payer son loyer, je pense. Hein. Là, elle comprend qu'il y a un souci mathématique. Qu'est-ce qui se passe, là? C'est quoi cette musique, là? Elle s'est barrée sans payer? Elle a foutu le feu à l'appart? Qu'est-ce qui se passe? Cindy? Hygiène? Oh, elle se lave pas! J'aurais dû le savoir avec le t-shirt Game Over, elle se lave pas. Comment est-ce possible? J'étais au travail lorsque quelqu'un est entré par effraction et m'a volé des trucs. On s'est fait chourer la douche! Non, écoute, c'est trop cher! C'était une douche masseuse! Oh, elle a pas fermé la porte à clé. Mais quelle bouffonne! Non, tu lui dis, j'en ai rien à foutre. Mais quelle bouffonne là! Et c'est à nous? Nous? Mais c'est un enfer d'être et propriétaire, en plus, je suis désolé. Plus, on doit racheter une douche! Elle aura une douche de merde! Je suis abattu par cette conne de Cindy qui non seulement ne paye pas son loyer, mais en plus nous fait perdre du mobilier. Je la délaisse de mon répertoire. Alors que moi,
bonne poire, j'emménage dans mon appartement, le mini frigo il marche plus. Je le dis au propriétaire, il me dit ah bah moi quand je vous ai fait visiter, il marchait. J'ai dû le racheter moi-même. Ouais voilà, voilà, la Cindy, crois-moi tiens, que bah, Cindy, déjà là, pour se laver une fois par semaine. Tu vas te frotter avec du bois là. Et puis crois-moi qu'elle aura jamais de télé. Alors ça, il y aura jamais alors là, de télé. Alors là, mon pote. Alors là, ma Cindy. Va falloir t'imaginer ton programme Netflix. Oui, bah de toute façon, on n'allait pas regarder. Hein. Bon, t'inquiète pas. Hein. Oui, elle nous intéresse pas, Cindy. Hein. On a ce qu'il faut devant la maison. Hein. Chers agents, j'ai besoin de quelqu'un qui trouve pour moi le parfait locataire. Oh, il faut pas qu'il soit barmaid, concierge, une location précédente au minimum. Alors, on a donc plusieurs locataires. Oh, barman. Ah non, je vais vous demander de partir, s'il vous plaît. Je vais vous demander d'y aller, s'il vous plaît. C'est très méchant, mais bon. Employé de fast-food, je vais vous demander de partir. C'est horrible. Je vais vous demander de partir. Vous dérangez les autres locataires. Ah, personnalité alcoolique. On risque d'avoir des problèmes. Je vais vous demander de partir. Ça, hein. Personne va pouvoir le louer. Serveuse, c'est comme barman. Oui. Je vais vous demander de partir. Vous êtes là, il y a un problème avec le disjoncteur. Mais putain, oh Cindy, non, mais j'en peux plus. Tu m'emmerdes. Vous pouvez vous en occuper. J'envoie un professionnel. Je suis locataire depuis 4 ans là de mon logement. La seule fois où j'ai fait chier, c'est quand il y a une fuite de la baignoire et c'était pas de ma faute. C'est parce que le propriétaire a fait faire au black la baignoire et les tuyauteries étaient mal faites. Je les ai jamais appelés. Sinon, j'emmerde jamais. Je les ai jamais appelés. Le radiateur mais est tombé. On n'emmerde pas ses propriétaires. Le radiateur est tombé. Je l'ai laissé par terre. C'est vraiment plus. Il y a un trou au plancher, je vois le rez-de-chaussée, j'ai pas appelé. J'ai mis un tapis, putain. Comme tout le monde. On n'emmerde pas les proprios. Mais non. 6 mètres carrés, bon bah ça non, va mais aller. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ça va aller vite, hein. Alors, regardez, de toute façon ça peut aller très vite, hein. Vraiment, je peux vous faire beaucoup de choses en très peu de temps. Oh, le boulot fait aller vite parce que c'est pas payé de ouf. Tabouret de bar, je peux vous le mettre là, hein. J'en ai rien à faire, hein. Je peux vous le mettre là. Moi c'est pas mon problème, moi je vais pas dedans. Hein. Regardez, ça, c'est cohérent ou c'est pas cohérent? Regardez, une bouilloire, c'est cohérent ou c'est pas cohérent? Bon, moi je travaille vite, hein. Lampe murale, tenez une guirlande pour faire un peu plus gay, on va dire. Les murs, ils sont géniaux ces murs. Hop, hop, hop. Oh la vache. Hop, c'est oh, Noël. Ça change tout. Ah, oh, vous avez des préférences? Une télévision ou une horloge murale? L'horloge murale est moins chère, je vous l'avoue. Horloge murale, c'est pas cher, c'est efficace. Et voilà. Oh putain, c'est vraiment fait à la va-vite, mais de ouf. Vous avez souri aujourd'hui? Ok. Ah oh bah quand elle va rentrer dans la pièce, elle aura envie. 4 étoiles. Pour le temps passé, c'est vraiment sympa. Des objets bas de gamme ont été utilisés. Bouilloire électrique. Oh oui, d'accord. Bon, d'accord. Oui, bah excusez-nous d'être économes sur le budget. Excusez-nous, hein, vous parlez de bas de gamme, vous vivez dans un taudis à Beach Road en 6 mètres carrés. Excusez-moi, j'ai cru que vous vouliez des trucs pas chers. Alors, oh là, il y a du taf là. De toute façon, bonhomme, je vais vous le oh faire. Oh là, hein, les mecs qui collectionnent les flippers et les bornes d'arcade, là, ça se voit, ils se lavent pas déjà. Putain, ouais, je sais pas ça... qui habitait là, mais là, il y a des gaffards. Hein. Ça pue dans la pièce là. Ça buvait des bières, ça jouait à Call of Duty. Première fois que je me sub à une chaîne. Mais c'est normal, et c'est bien normal que tu le fasses ici, bien sûr. C'est comme notre locataire qui nous prévient qu'elle nous oui. a payé ce mois-ci. C'est logique. Tu n'es pas obligé de le dire. Pas besoin de le dire quand vous subez, hein. C'est normal, hein. C'est un normal. Juste retour des choses. C'est, tout c'est le monde votre dû. Faire. C'est le dû. Merci pour ton dû. Oh, il y a du taf. Et moi, quand je vois autant de taf, crois-moi que j'ai envie de le faire vite. Alors, un Nino qui est pas trop agressif. Tant pis. Tant pis. Attends, ça là. Oh, oh y a, ça y a, jure. La texture, mais elle est à 30%. Vous pouvez pas faire des textures HD là? Ça commence à faire beaucoup de couleurs différentes, non? Oui, mais écoute, on est un peu angoissé là. J'espère que c'est pas un cabinet médical. Si, c'est un cabinet médical. Ah, d'accord. Un poster de motivation. It's your time to shine. Tu viens alors que t'es en phase terminale. Allez hop. Derrière le mec. Du coup, ce qu'il regarde là, il est bizarre. Le bureau. Alors, moi, je dirais vraiment tout le côté quoi, de la pièce à droite. Réserve-le à tout le côté médical. Mais il n'y a pas de côté médical. Mais il faut bien qu'il fasse des examens. Il n'y a pas de neuropatient. Mais bon, j'en ai bah, rien ça à foutre. Va ou pas aujourd'hui. Je suis en mission. J'en ai rien à foutre. Oh putain, Cindy, il y a plein de rats dans mon appartement. C'est mais elle est infernal. Dégueulasse. Mais faut penser à se laver, hein. J'adore.
J'adore, c'est un coup de cœur. Work hard, ça c'est pour moi ça. Mais putain, mais non, mais c'est pas possible. Dream big. Là, quand tu rentres, tu vois Dream. Pas touchant, Dream big. Qu'est-ce que ça donne, oh, monsieur le médecin? Work hard, oh, c'est vrai, c'est ma philosophie. Je suis d'accord. J'ai toujours travaillé dur, je sais, bon, ça suffit. Mais c'est quoi ça? Il y a des stands de tir chez lui là. Attends, oui, c'est un stand de tir ça. Il est malade ou quoi? Alors, salle de production et brasserie. La brasserie, ça. C'est quoi une salle de production? Substance illégale. Substance illégale. Attends, pardon. Oh, ah ouais. Ah oui, Ah oui, vraiment quoi. Donc, oh, oui, c'est vraiment. D'accord. On bah, fait il où, faut la des gens pour construire ce genre de salle. Hein. Faut pas qu'on se mette le client à dos. Hein. Il va nous brûler la baraque sinon. On va mettre ça comme ça. Mais plus cher, je pense qu'il gueule. Hein. T'as pas mis de sol sur. Oh merde. Il va gueuler. Hein. Oh là. On est un peu ricrac au niveau de la place, c'est-à-dire que, écoutez, Don Pietro, là, on a fait ce qu'on pouvait. Don Pietro, on s'est donné au max, hein, vraiment. Substance illégale, mais avec grand plaisir. Ah oui, bah alors là, on va vous le mettre. Hein. Bam. Ça veut dire qu'il y a un mafieux, il est en mode, ouais, la déco de ma salle où on fabrique la coke, très là. Très belle, ma salle de coke, là. Des petites plantes vertes, une tasse, un truc comme ça. Attends, merde. Je vais lui faire... Oh, la petite balance. Oh, malin. On verra si ça passe. C'est pas l'ambiance normalement. On verra si ça passe. Oh, mais lui, le grand cœur, le cœur love là. Oh ouais. Quand tu fabriques. Parfait. Oh, il faut s'essuyer les pieds avant d'entrer. Hey, welcome. Welcome. Little paradis. Never kill nobody. Never kill nobody. Bonjour Tom et Damien, quel appartement fantastique. J'essaie encore de recharger mes chakras après le déménagement, mais je suis persuadé que mon aura devient... Qu'est-ce qu'on sait que oh ça... non, qu'est-ce que c'est? Encore un mec qui va vouloir nous payer avec namasté, des trucs bizarres. Namasté Dougarché. Genre il va pas payer le loyer, puis il va nous dire un truc genre namasté. Faire une visite. C'était marrant les visites. La personne demande budget 1000$, pas de casier judiciaire, non barman. 33-41 ans, il est trop jeune, je vais vous demander de partir. Et puis, de toute façon il était insatisfait. 53, trop vieille, je vais vous demander de partir. 49 ans, trop vieux, je vais vous demander de partir. Y'a plus personne dans la porte. Ils sont tous trop vieux ou trop jeunes là, ça je dégage. De quitter les yeux. 21 ans, je vous ai dit de partir. 50 ans, je vais vous demander de partir. Y'a personne pour louer la porte. 42 ans, oh un an de trop, je vais vous demander de partir. Oh non. 42 ans, trop vieille. Mais putain, on ne pourra jamais trouver quelqu'un. Ah, 23 ans, mais non, mais je vais vous demander de partir. 38 ans, j'adore. Ah. Homme, femme de ménage. Budget, 1000$. Non barman ou homme, femme de ménage. Je vais vous demander de partir. Oh putain, mais c'est pas possible. 36 ans, ok. Caissière, on a quelque ok. Chose. Athlète, budget, 1000$, pas de casier judiciaire. C'est Madame, vendu. C'est négocié. Je vous prends un contrat à 60 jours. Pour 5660$. Qu'est-ce que vous en dites? D'accord, bon, on se rejoint à mi-chemin. Allez, à mi-chemin du mi-chemin. D'accord, c'est bon. C'est fait. On a monté 300% l'appart, on se rejoint à mi-chemin. Allez.